Eh bien, salut à tous les amis, c'est Mortsite et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu extra de Arc. Parce que voilà, bon, je suis quand même encore l'actualité, même si je vous ai dit que la série était finie pour les tutos, ça c'est sûr pour le moment. Mais je suis quand même l'actualité et il y a un truc super intéressant et enfin qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a quelques jours, c'est les différents biomes, en fait. Et donc du coup aujourd'hui on va aller les voir, on va voir ce qu'il faut pour y aller et on va aussi voir les différentes bêtes qu'on peut trouver là-bas. Alors, hop, donc on va prendre mon petit pote l'Argentavis. En fait j'étais mort donc du coup j'ai récupéré 2-3 trucs et tout, je me suis refait le minimum syndical en stuff et puis voilà, donc là on va y aller. Du coup, au niveau de la map. Donc en fait ici, le biome neige, il est tout là en fait, à peu près. Tout en fait au nord-ouest. Et le biome marais, il est là. Ici. Par ici là. Et il y a un petit peu de neige aussi là en 50-20 ici. Donc voilà. Voilà. Et donc, on va y aller. Allez, c'est parti. Bon, au final, je pensais vous faire un petit timelapse, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire le record. Bravo! Donc ça y est, on y est arrivé. Là, le biome neige. Le biome neige qui pète les yeux. Ouais, d'accord. Et en fait, c'est cool qu'ils aient inclus ça, parce qu'au final, on avait l'impression que c'était Paradise Island, quoi. Ça a l'air d'être assez bien fait. Attendez, on va reprendre notre bonhomme, là. On va l'appeler Bobby. Allez. Ah, nickel, le clavier qui marche plus. Ah si, c'est bon, c'est parti. Donc là, on va essayer de trouver les différents animaux qu'on peut trouver dans ces biomes-là, en fait. Et après, on les regardera d'un petit peu plus près. Alors je sais pas du tout, j'ai pas du tout préparé ça. Donc ce que je fais, c'est que là pour le coup, je vais couper jusqu'à ce que j'en trouve un. Enfin non, je vous fais ça en petit timelapse. Allez, soyons fous. C'est parti. Alors, note à soi-même. Ici, déjà, dans un premier temps, bon après je pense que c'était déjà le cas avant. Mais déjà là on trouve des petits scorpions. Là je pense que ça c'était déjà avant. Et là j'ai vu un truc qui était pas mal. Ah oui d'accord, ceux-là on les connaît déjà. Bon allez c'est parti, on continue le timelapse. Ah les amis, bon alors. Non, c'est un petit puma aussi, ça. Putain, je pensais que c'était une marmotte. Le con. Ah oui les amis, j'y repense pendant que nous sommes en pleine tempête de neige. Bien évidemment, il faut pas y aller à poil, on est bien d'accord. Et donc pour y aller, il faut mettre la tenue du bon petit chasseur des familles, donc pas celle que vous voyez actuellement. Mais bien celle-là. Voilà, t'as vu, on ressemble à un Esquimau comme ça. Et nickel. Donc c'est une fure, je ne sais pas quoi. Fure cap. Comme ça, au moins, on n'a plus froid. Maintenant, il nous dit qu'on a chaud. Ça, le gars, il sait pas ce qu'il veut, quoi. Donc on se retrouve dès que j'ai les deux bêtes concernées, nouvelles, entre guillemets, de ce biome. A tout de suite. Donc alors, la première, il s'agit du Mégaloceros. Donc c'est un cerf. Il est plutôt mignon, hein. Moi je le trouve sympa. Assez bien représenté en plus avec des grands bois et tout.
Et l'avantage, c'est qu'on peut lui monter dessus aussi. Et en plus de ça, il court plutôt vite, donc ça c'est une bonne chose déjà. Avec des bons bruits de sabots et tout. Et on se retrouve pour la deuxième, le deuxième bébête. Et donc les amis, la deuxième bébête, elle est là, c'est elle. Très sympathique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est un loup avec une belle gueule de ouf. En plus, le temps est beau, donc là c'est génial. Donc il s'agit d'un loup en fait, qu'on trouve spécialement dans ce biome-là en fait. Oh non, mais tu te calmes toi, oh! C'est un raptor là-bas, on va se méfier. Donc voilà, d'accord, lui il fait un bruit de vache quoi, normal. Et donc là voilà le loup, qui est fort sympathique aussi. Les amis, petite ellipse, on se retrouve, on se retrouve, les amis, petite ellipse, on se retrouve dans le prochain biome, à tout de suite. Hashtag quand tu te promènes et que tu croises un spinosaure, bon Dieu. On va s'en aller tout de suite, à tout de suite les amis. Et re les amis. Bon alors du coup là je viens de voir un truc, tiens il est là. Ça c'est une des bêtes en fait. Enfin c'est même la bête qui fait partie de cette nouvelle mise à jour entre guillemets. Il s'agit d'une tortue. Alors c'est voilà, elle est agressive. Voilà, elle va pas me faire mal, mais en fait elle tape avec des coups de langue. Et du coup, faut s'en méfier. Mais donc ça, c'est une des principales nouvelles bêtes aussi, avec le loup et la biche là, enfin le cerf. C'est la grenouille. Et elle aussi, en fait, on peut la monter. Donc ça, c'est marrant en fait, parce que quand on est dessus, elle saute. Donc, enfin, normal comme une grenouille. Donc c'est assez sympa. Et les amis, maintenant, je vais essayer de retrouver trouver le deuxième truc assez j'ai envie de dire hostile de ce biome. Dès que je le trouve, eh ben, je vous reprends, à tout de suite. Et voilà, tiens, génial, on peut en voir une en milieu naturel normal sans qu'elle nage en fait. Va pas nager, viens ici. En plus, elle est mignonne. Voilà, donc. Ah, et même dans les marais, on retrouve des boas. Ah, les salauds. Les salauds. Casse-toi. Voilà, donc voilà ce qu'elles font en fait quand elles vous agressent, elles vous tirent la langue. Enfin, ouais, mais tirent la langue, c'est un peu. Ok, un serpent. Oh non, il y a vraiment des trucs sympas. En plus, il est beau celui-là. Il est très beau. Et puis là-bas, il y a des chevaux géants au calme. Mais, alors attendez, on est où là? Donc, comme je vous disais, hein, c'est pas ici que ça se passe. Alors, bon, bah, on va essayer d'aller trouver. Ok, donc il y a ça aussi. Là, il va m'aggro, ça c'était obligé. Bon, ma petite ellipse, et à tout de suite, les amis. Alors, re les amis. Bon. Après, désolé pour les déglutitions. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Après tout ça. Et la dernière nouveauté, c'est ce truc-là. Ça. Ça paraît pas dangereux comme ça, mais en PVP, ça peut être intéressant. Donc là, elle est pas. Donc c'est, elle s'appelle une plante spécimen X ou spicy X, enfin je sais plus. Mais en gros, ce truc-là, c'est une plante défensive que vous trouverez que dans ces marais-là, en fait. Et en plus, ce qui est bien, en fait, c'est qu'elle peut être cultivée, cette plante-là, dans. Je panique un peu. Elle peut être trouvée dans les. Enfin, cultivée du moins dans les grands terrains, enfin les grands crop plantes, là, ou je sais plus. Et il peut y avoir des graines, une fois que vous avez tué ce truc-là, en fait, vous obtenez des graines et vous pouvez les replanter. Du coup, là, elle n'est pas à maturation, parce qu'à maturation, il y a un grand truc, en fait, enfin, qui pousse. Et en fait, avec cette plante-là, en fait, vous pouvez vous en servir comme une tourelle automatique, en fait. Elle a le même fonctionnement, sauf que c'est une. Sauf que c'est une. Comment dire? Putain, je perds mes mots, ça m'énerve, j'arrive plus à parler. C'est comme la tourelle automatique, sauf qu'elle tire des plantes. Quoi? Ah non, putain, j'ai cru qu'il y avait un gros truc qui arrivait. Par contre, ça c'est horrible, il va falloir qu'il, je sais pas, qu'il calme le truc ou j'en sais rien, mais c'est relou quand ça tremble trop comme ça là.
Ok, certes, il est là, mais bon, que ça tremble à ce point-là, non merci, quoi. Et bref, et en gros, elle tire des spores verts, en fait. Et un peu comme le dilo. Et ça aveugle et ça ralentit votre cible. Donc voilà. En gros, voilà. Bah écoutez, les amis, je fais une petite ellipse pour voir si j'en retrouve une. Et puis, bah, si je n'en trouve pas, eh ben, on va en trouver une. À tout de suite. Alors, les amis, vous aviez peur d'aller dans les cavernes parce qu'il y avait des serpents et tout ça. Mais alors, dans ces cas-là, ne venez jamais. Mais il est passé où, cet enculé? Ah, il est là! N'allez jamais dans ces biomes-là pour la simple et bonne raison que, ben voilà, en fait, on trouve des bois partout. Donc, c'est un peu la galère. Alors, attendez, on va essayer de le défoncer, lui, quand même, parce que, bon, il n'y a pas à chier, on n'est pas des lopettes. Oh! Ah, merde, il est là. Bonjour. Au revoir. Ouch. Au revoir. Allez, il est mort. Merci, monsieur. Ah, ouais, on peut le traîner. Ah oui, non, il est trop lourd. T'es ouf ou quoi? Ouais. J'ai eu peur, là. Alors, on peut voir ici. C'est beau, quand même. Enfin, les devs ont bien bossé. Ouch. Dégage, toi. Piranha de mes couilles. Ah, c'est dangereux. Ouais, c'est des biomes hyper dangereux, en fait. Mais très beau. Très bien représenté. Les amis, attendez, je vais essayer quand même de vous trouver une petite plantation. Donc pas toi. Petite ellipse, à tout de suite. Bon, eh bien les amis, je n'en ai pas trouvé. Ça fait une heure que je fais le tour, donc là, c'est bon. On se laisse là-dessus, et puis bon, je reviendrai sur Ark plus tard, comme je vous l'ai dit, mais pour le moment, je laisse un petit peu de côté. Je lui laisse le temps de se développer. Et puis voilà, quoi. Tu comprends, quoi. Allez, des gros bisous, ciao. Qu'est-ce fouchou. Petite pause. Mais pas de petite pause du tout! Mais les amis, mais pas de pause du tout! Oh! Oh! Monseigneur Jésus!